Bien, bonjour à tous. Écoutez, ce matin j'ai eu envie de partir plus tôt. C'est vrai que quand j'ai fait le Camino Frances en septembre-octobre, je partais même de nuit, peut-être presque trop tôt. Mais en fait, ça me rappelle à quel point j'aime voir le jour se lever en marchant sur le chemin. Voilà, écoutez, j'ai passé une bonne nuit. A priori, il me reste déjà 18-19 km si je ne trouve pas de variante à faire. Donc voilà, je vais y aller tranquillement. Je pense que je vais arriver très tôt à Padrone. Et comme vous voyez, le ciel est magnifique ce matin. Et normalement, pas de pluie. Allez, on continue de découvrir ce beau chemin. Eh bien écoutez, vous voyez, à part la sortie de Caldas-Derry qui était sur la route, ça fait bien 3 km que je marche sur ce petit sentier. Je crois que la nationale n'est pas très loin, mais voilà, c'est très très agréable ce matin. Le temps se maintient, c'est parfait. Et je voulais juste vous dire, j'ai regardé sur le site Oficina del Peregrino, c'est un site qui donne des infos pour la cathédrale, pour l'arrivée des pèlerins, etc. Et donc j'ai été étonnée de voir qu'il y a deux jours, il y a plus de 800 pèlerins qui sont arrivés au bureau pour s'enregistrer. Et hier, 309, donc moins, bien moins. Mais voilà, j'étais étonnée de voir qu'il y avait quand même pas mal de pèlerins sur le chemin. Eh bien, je viens de faire le tour de l'église, c'est vraiment, j'ai fait plein de photos, c'est magnifique. Donc c'est l'église de Santa Maria de Carecedo. Allez, je vais faire ma petite pause ici, j'ai envie de m'arrêter là un peu. Bon, eh bien écoutez, nous sommes donc à 37,640 km de Santiago et il y a un petit coin pour déjeuner. Je vais m'arrêter un petit peu pour déjeuner, j'ai quand même un petit peu faim. Allez, c'est reparti, il me reste 11 km 7, j'ai pu regarder sur l'application. Donc vous voyez, c'est assez couvert par rapport à ce matin, c'est un peu dans le brouillard, mais il n'y a toujours pas de pluie. Et puis j'ai pris des forces, j'ai bu un petit thé, et puis una napoletana, donc un pain au chocolat. Voilà, c'est pas très diététique, mais écoutez, tant pis, hein. Faut bien se faire plaisir. Allez, je vous dis à plus tard.
contraste entre le Camino et la petite autoroute. Écoutez, je n'arrête pas de m'arrêter. Je m'extasie à chaque virage. Mais c'est tellement beau ce chemin. Et alors aujourd'hui, je sais pas, j'ai 95% de sentier. Je suis tout le temps dans la nature. Par le petit passage, enfin la sortie de Caldas de Reis. Et puis le passage vers la route. Mais regardez ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, franchement, je vous souhaite de passer un jour sur ce chemin et pouvoir le vivre à vous-même, vraiment. Des moulins. Salut les filles. Oh comme vous êtes belles. Eh oui. Bon, église fermée, c'est dommage. Regardez toutes ces croix avec le ciel là derrière. C'est superbe. Du coup, de ce côté de l'église, on est tranquille parce que de l'autre côté, il y a un bar et il met de la musique à fond. Donc, je me suis un peu isolée. Bon, eh bien, on est à 31,510 km de Santiago. Je viens d'enlever la veste. C'est vraiment trop chaud. Vous voyez, grand soleil. C'est top. Je crois bien que demain, je vais avoir peut-être la chance d'arriver sous le soleil à Santiago. Voilà, on est rentré dans la ville. Et là, les deux messieurs qui sont devant, bah, c'est deux Bretons. Donc, bah, écoutez, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui vont plus loin que Padrón pour raccourcir l'étape de demain. Je vous avoue que je regrette presque un peu de ne pas avoir fait plus de kilomètres aujourd'hui. Parce que je suis pas trop mal. Mais bon, bah, écoutez, c'est pas grave. J'ai réservé une place chez un dans une albergue. Je vais pas les planter et puis écoutez, je ferai plus de kilomètres demain et je partirai, je pense, très très tôt.
Oui, bien écoutez, je sors juste de l'église et mon albergué en fait est juste ici. Donc, bien écoutez, c'est encore pas ouvert, ça ouvre d'ici 20 minutes. Il est 12h40. Du coup, j'attends là sur les marches. Je vais grignoter le petit bout de chocolat qui me reste. En attendant, je suis bien au soleil. Et puis, écoutez, je m'installerai puis je vais vous faire visiter Padrón. Regardez ce beau ciel bleu. Oui, bien écoutez, c'est la première fois que j'arrive si tôt dans une alberguée. J'ai fait l'ouverture. Voilà, c'est sympa. L'accueil du monsieur est très gentil. Il vous fait votre lit pour pas que vous vous fatiguiez. Donc voilà, je suis là pour le dodo de ce soir. Voilà, bien écoutez, en déambulant dans Padrón, je découvre un joli petit parc dans lequel je fais un petit tour. Je me suis assise au soleil un moment sur le banc. C'est chouette de pouvoir flâner un petit peu. La couronne du Christ, c'est ce que ça représente. Ouais, bien écoutez, je sors du supermarché. Je suis allée m'acheter de quoi grignoter. Là, je vais retourner à l'albergué manger un petit peu. Et puis, je me suis acheté des pâtes à la bolognaise à faire chauffer au micro-ondes. Comme ça, je vais manger à l'albergué ce soir. Ouais, bien écoutez, on voyait une grande église d'en bas. Donc, je suis montée. Je vais aller voir si elle est ouverte. Bon, et bien encore une église fermée. C'est bien dommage. Bon, par contre, voilà, on a une jolie vue sur toute la ville de Padrón et sur l'église que j'ai visitée tout à l'heure en arrivant. Bon, par contre, en bas de l'église, regardez, il y a cette jolie statue. La fontaine. Voilà, les rues sont un petit peu plus animées, les enfants sont sortis de l'école, ils jouent au foot dans la rue. Et le temps se maintient, c'est top. Bon, et bien écoutez, je vais conclure cette vidéo ici pour ce soir. Je vais rester là sur un banc pour vous monter la vidéo au soleil tranquillement. Et puis après, je retournerai à l'albergué pour me coucher assez tôt. Je pense partir demain vers 6h45 pour essayer d'arriver pas trop tard à Santiago. Il y a 25-26 km, donc voilà, il va quand même falloir les faire. Aujourd'hui, j'ai fait 20-21, donc c'était un petit peu plus tranquille. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette journée aussi. Et bien, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain pour le grand jour, pour l'arrivée à Santiago. Allez, belle soirée à tous.